Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la box beauté So Trendu by Marie Claire. Je vous en ai parlé sur Snapchat et je voulais vraiment vous faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que la box est hyper intéressante niveau budget et surtout niveau produit parce qu'il y a vraiment de belles marques. Il y a beaucoup de full size, carrément que des full size. Donc je voulais vraiment vous en parler, vous montrer les produits en détail. Donc c'est parti. Alors la box se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, voilà, c'est bien emballé. Je prends les produits au hasard, je vous en parle. Si je les connais, je vous donne mon avis, si je les connais pas, on verra ensemble plus tard quand j'aurai testé les produits ce que j'en pense et ce que vous en pensez si jamais vous ne les connaissez. Donc tout d'abord on a tous les petits dépliants en fait de chaque produit pour avoir un peu plus d'informations, donc ça je trouve que c'est bien, ça permet de ne pas forcément aller sur internet chercher les informations. La box elle est à 29,90€ au lieu de environ 170€, donc ça c'est la valeur des produits que vous avez à l'intérieur de la box, c'est juste énorme. Il n'y a pas des petites marques, il y a aussi des marques de luxe, il y a des marques d'institut au niveau du soin, donc c'est vraiment hyper intéressant je trouve. Bien évidemment dans cette box là il y avait du maquillage, il y avait du parfum, donc il y a du parfum féminin, il y a du maquillage uniquement pour les femmes dont du rouge à lèvres, mais je trouverai quelqu'un à qui ça fera plaisir pour pouvoir offrir surtout en cette période de Noël, donc je vais pouvoir compléter mes petits cadeaux. Mais moi ce qui m'intéressait c'était surtout le soin en fait qu'on fait découvrir dans la box. Donc le premier produit que j'attrape c'est celui-ci. Donc tout d'abord vous avez un vernis, donc c'est un traitement et vous avez de la couleur aussi, donc de la marque Essie, donc ça fera plaisir à quelqu'un. Le deuxième produit que j'attrape c'est un parfum, donc c'est l'eau de parfum Live Irrésistible de Givenchy. Donc c'est ce produit là, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un, c'est toujours bien de rajouter un petit format comme ça de parfum pour faire découvrir le produit. Le troisième produit que j'attrape, c'est un produit de chez By Terry. Alors rien que les produits By Terry, ils sont assez onéreux, donc ce sont de très bons produits. Là, malheureusement, je ne pourrais pas l'essayer parce que c'est un rouge expert click stick. Donc c'est celui-ci. Pour ceux et celles qui connaissent les produits, ça se présente comme ceci. En fait, vous avez un petit embout comme ça. Pour ceux et celles qui connaissent la marque, c'est un rouge à lèvres stick. Donc ça aussi, ça fera plaisir à quelqu'un et on est sur vraiment un produit de luxe. Donc très bien aussi. Et là on passe aux choses sérieuses parce que c'est que du soin et c'est que pour moi. Donc on a la marque Phytomère, le peeling végétal exfoliant aux enzymes naturelles, donc c'est ce produit là. Alors moi je ne connais pas du tout cette marque là mais j'aime beaucoup les peelings. Le peeling végétal qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un peeling ou un gommage mécanique, chimique, enzymatique, je vous invite à aller voir ma vidéo que je mets juste ici. Là celui-ci je ne le connais pas de la gamme Phytomère mais j'ai entendu vraiment du bien de cette marque là. Il est adapté pour les peaux sensibles donc il n'y a pas vraiment d'exfoliation mécanique parce que c'est vraiment enzymatique. Le produit va venir grignoter toutes les impuretés et tout ce qui gêne au niveau de votre peau pour avoir de l'éclat, pour que les produits soient beaucoup plus efficaces en profondeur. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai hâte d'utiliser. J'aime beaucoup les gommages, surtout en cette période, de penser à en faire parce qu'on a souvent le teint terne quand on voit pas trop le soleil, on a souvent le teint qui a tendance à se ternir beaucoup plus vite. Donc les peelings c'est fait pour ça, pensez à gommer et toujours faire un masque en suivant. Deuxième soin de la marque Kaolion. C'est une marque qu'on trouve chez Sephora, donc vraiment on est sur un masque qui va purifier, qui a un effet, je crois qu'il pétille, qui fait des bulles sur le visage. Cette marque j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. En fait c'est un masque qu'on laisse poser sur le visage, qu'on peut masser pendant 1 ou 2 minutes et ensuite on le laisse poser pendant 10 minutes et on retire à l'eau. Donc c'est vraiment un masque purifiant. C'est une marque coréenne, c'est pas une marque naturelle mais j'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'apparemment le nettoyant chez eux est très efficace, donc le masque j'ose espérer qu'il le soit aussi, donc on verra tout ça. Ensuite un produit cheveux, crème de soin à l'amarante de Léonore Gray, c'est un après shampoing celui-ci, donc c'est un après shampoing je l'essaierai aussi, je connais la marque, c'est une marque qui est très réputée pour leurs produits capillaires, leurs soins capillaires. Ils ont vraiment une très large gamme, vous avez l'huile qui est très connue chez Léonore Gray, donc vraiment je suis très content, c'est un beau produit. Alors est-ce que moi je vais l'utiliser? Peut-être, parce que c'est vraiment pour, je crois que c'est pour les couleurs, voilà, protecteur de couleurs. Sinon je l'offrirai à quelqu'un, ça fera plaisir. C'est une super marque, de très bonne qualité, donc ça je suis très content aussi. Un masque, le masque de soins ressourçant, douce aura, visage, yeux et cou de la marque Pierre Auger, donc c'est celui-ci.
Moi j'aime beaucoup les masques comme ça qui permettent vraiment de donner un nouveau souffle à la peau. On va avoir à l'intérieur des enzymes et l'ADN HP, donc qui est certainement un brevet ou un actif particulier de la marque. Donc ce produit là moi j'aime beaucoup parce qu'on peut l'utiliser au contour de l'œil, au visage et au cou. Donc ça c'est vraiment chouette, moi j'aime bien les produits comme ça à faire après un gommage qui vont repulper la peau, qui vont la gorger en eau, qui vont vraiment apporter un nouveau souffle de fraîcheur au visage. Donc ça c'est vraiment chouette, surtout à pouvoir utiliser en contour de l'œil. Donc ça c'est vraiment génial, donc j'ai vraiment hâte d'utiliser ce produit là. Ensuite c'est un baume nourrissant, donc c'est la marque Loditess, alors c'est apothicaire d'essence, c'est une huile en fait comme ça. Donc l'avantage c'est que vous avez un petit roll-on en bout de flacon. Quand en fait vous ouvrez, vous avez la petite bille en bout de flacon. Alors soit on l'utilise sur le visage, là où vous avez des zones à traiter selon votre type de peau. Si vous avez des zones très sèches, vous pouvez localiser à ce niveau-là. Sinon vous pouvez l'utiliser sur le corps, vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres, c'est bien aussi. Ça sent super bon. Moi je connais la marque de nom également, mais j'avais jamais essayé. Il y a une pointe de néroli ou de fleur d'oranger qui est hyper agréable. Donc ça vraiment je suis content, en portant en voyage c'est bien. Concrètement ce produit là je vais le garder pour les lèvres, ou si j'ai vraiment besoin de nutrition, de confort pour la nuit, si j'ai la peau qui est fatiguée, qui a besoin d'un petit coup de boost. Et le dernier produit, alors j'ai voulu le garder pour la fin parce que j'étais très très content, c'est une très belle marque, c'est la marque Payot, donc c'est la crème numéro 2 Cachemire, soin riche, apaisant, anti-stress, anti-rougeur. Donc c'est ce produit là, c'est un 50 ml, donc c'est un format vente en fait, c'est un format full size. Je suis super content de pouvoir tester ce produit là parce que la marque Payot c'est une marque qui a fait ses preuves. J'adore moi notamment la pâte grise chez eux qui agit vraiment sur les imperfections sans laisser de marque et qui est hyper efficace, qui existe depuis des années. La marque Payot c'est une marque qu'on peut retrouver dans beaucoup d'instituts, c'est vraiment une marque professionnelle en soins. Ils ont de très très bons produits, ce sont des produits qui ont fait leur preuve, qui sont efficaces, qui sont doux pour la peau, qui sont agréables à utiliser. Donc ça je suis vraiment content, je vais la garder pour le soir. Alors en ce moment j'ai souvent la peau qui a tendance à réagir par rapport au froid, qui rougit, qui est un peu stressée par tout ce qui se passe autour. Donc le soin riche, apaisant, anti-rougeur, anti-stress, je vais le garder pour le soir et pour cette période là je suis vraiment super content. Donc on a fait le tour de cette box là, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport au prix, mais on est sur 29,90€, il n'y a que des formats full size ou des formats voyage, mais ce sont pas des échantillons. Ça vaut vraiment le coup, il y a de beaux produits, il y a de belles marques, il y a des marques de luxe, il y a des marques d'instituts, des marques professionnelles, des marques diverses et variées. Donc il y a du capillaire, il y a du soin visage, il y a du parfum, il y a du make-up. Donc c'est vraiment, je trouve, une box qui est hyper intéressante par rapport au prix. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir sur le site. Vraiment vous avez de tout. Il faut savoir que le site Sotrendu, c'est un site où vous pouvez retrouver de la mode, de la cuisine, de la beauté, de tout en fait, de la déco. Vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choix. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle box là qui est sortie en ce moment, elle s'appelle Douceur des Fêtes. Vous avez différents produits aussi, des masques, du make-up, c'est vraiment varié, c'est bien sélectionné. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site par rapport aux box, par rapport au prix et à la valeur des produits. Là il y en a pour quasiment 170€ de produits et j'ai payé que 29,90€. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. En plus bon, derrière tout ça il y a Marie Claire, donc Marie Claire on sait vraiment que niveau beauté ils sont à la pointe de la tendance, de la nouveauté, et ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent sur ce terrain là donc moi je fais ultra confiance par rapport à ça. Donc je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.